Bonjour à tous, je suis au parc Félin et après je serai à la Terre des Singes pour aller voir les bébés de 2022. Et en discussion, vous aurez ma première et ma deuxième vidéo sur le parc. Et là, nous avons les guépards. Ouais, le chat léopard du Bengale. Tout à l'heure, on a vu le chat de Témic. Et puis, on a vu les panthères du Sri Lanka, le tigre de Sibérie. Alors, voilà l'un des chats de pêcheurs. Ils sont deux, ils remplacent le couple qui était présent dans le parc et qui, malheureusement, bah, avec le temps, sont décédés. Voilà, chat des marais. Alors regardez dans le sous-bois, donc on a un tigre de Sibérie qui est là, qui est en train de bouger là, et l'autre qui est juste à côté. Si j'arrive à me décaler un petit peu, vous le verrez. Là, il vient juste de passer devant l'autre. Voilà, regardez. Hop, et voilà le deuxième. Donc on a le mâle et la femelle. Oh, vous assistez à un accouplement. Tentative d'accouplement. Oh ben ça n'a pas fonctionné la tentative d'accouplement. Ah, monsieur il est pas content.
Alors dans le brouillard, on voit les tigres de Malaisie. Et juste avant, c'était le lion d'Asie. Donc vous en avez un là. Et si je zoome, il y en a un au fond, là-bas, mais on le voit beaucoup moins à cause du brouillard. Donc les panthères de l'amour. Donc il y en a un qui est en dessous. Et il y en a un qui est au-dessus. Voilà le lynx de Sibérie. Ouais. Voilà, panthère nébuleuse. Chat léopard de Sibérie. Il y en a un autre qui est là-bas. Ah, pendant qu'il y en a deux qui dorment, à l'intérieur, il y en a un qui dort et aussi qui dort. Voilà, ce sont des merguez et je suis en Amérique. Quand on vous dit que les lynx peuvent se camoufler partout, regardez où est-ce qu'il est. Sur le tas de bois. Et je ne l'avais pas vu. Vous voyez, caché dans sa petite tanière, le Honsile du Nord. Et là, on a l'Honsile du Sud. Voilà le chat de Godefroy qui va juste revenir dans sa tanière. Alors, je sais pas si vous les verrez, mais il y a deux Honsiles du Sud ici. Voilà. Et donc il y a quatre enclos, parce que là on a l'Honsile du Sud, l'Honsile du Nord, Godefroy, chat de Godefroy, chat de Godefroy, Honsile du Sud, et au du Nord, et Honsile du Sud ici. Et là on a les lynx. Et oui, quand les petits deviennent grands, et ben ils sont renvoyés dans d'autres eaux. On pourra faire un échange biologique. Alors pendant que vous voyez les trois ici, il y a un quatrième. Qui est là? Le chat perché. Voyez, le puma, on le voit beaucoup mieux. Tout à l'heure, je faisais un jaguar, on me dit. Recherche lynx roux désespérément. Et voilà les jaguars. Voilà, après avoir le serval, maintenant c'est le chat de Gordonie. Je suis en Afrique. Voilà, ça, sauvage d'Oman. Il y a un autre chat de Gordonie. L'ancêtre des chats domestiques. Le chat des sables. Regardez-moi cette panthère de Perse. Le deuxième, il est dans son arbre.
En fait, il est là. Chien perché. Chacun dans son enclos, mais côte à côte. Et oui, il y en a bien ici. C'est trop mignon. Et voilà la panthère qui est juste derrière l'arbre. Donc, je cherchais les petits lions. Il y en a quatre. Et en fait, vous voyez pas, mais dans le bosquet, je sais pas si vous verrez, il y a la mère qui est là. Et en fait, elle protège ses petits qui se trouvent à l'intérieur. Donc, on peut pas forcément les voir. L'instinct naturel. Et voilà, là, on a le petit, la petite panthère. Alors voilà ce qui était en cours de construction la dernière fois, et donc c'est en fait la terrasse du restaurant L'Oasis qui est ici et qui a une vue sur les longs bancs de Cougar. Il y en a qui profitent sur la terre des Lémuriens. On va chercher toutes les petites feuilles vertes qui restent. Oh. Regardez, il faut bien suivre. Oh, il y a un tout petit. Il y a un petit kata. Il y a un lémur couronné juste là, à côté d'un autre kata, ici. Voilà. Ça, c'est un ventre roux. Hein. Voilà. Donc il y a 6 espèces de lémures ici, mais là j'en vois que 3. Et voilà le lémure couronné qui était tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un peu plus de monde dans l'enclos, donc bah, il commence à sortir. Voilà, je viens de finir l'animation et ça va être l'heure du goûter, l'heure de la table, et là je vous dis, ils sont en train de tous se précipiter pour aller manger. Après le goûter des lémuriens, maintenant je pars à la terre des singes. Et vous voyez, il y a eu des petits aussi. Et je vais manger ici. Alors voilà les Ouistiti pygmées. Donc j'en vois 4. Il y en a un cinquième juste là-haut. Voilà, vous voyez maintenant. Et là, tout à l'heure, ici donc, c'est l'enclos des Gélabas. Voilà, ça c'est l'enclos des Patas. En ce moment, ils font des travaux. Il y en a un juste là en face de moi. Regardez, il y en a un autre juste là. Et il y a eu un petit.
Voilà, là on en a deux. Là, il y en a là. On est plusieurs. Et il y en a un qui est remonté. Et regardez, il est tout en haut. Et puis, il y en a aussi par là. Donc, il faut regarder partout. Donc voilà, deux autres. Vous voyez les magots, hein, quand on y va, bah, il faut voir, ils sont partout. Maintenant, on va aller voir les autres qui sont dans la plaine, en règle générale. Et puis après, je vais faire le tour. Alors, j'ai appris que la volière était fermée parce qu'il y a la grippe aviaire, malheureusement. Et là, il y a eu des consignes de l'État hier. Donc normalement, toutes les volières doivent être fermées. Au groupe scolaire qui sont là, regardez, et voilà, maintenant on est sur la plaine, regardez tout le cadavre colvert qu'il y a, tous les autres magots. Comme je vous dis, il y a du scolaire en ce moment. Tamarin pinché. Et voilà les Ouistiti communs, donc c'est la plus grosse colonie en Europe. Là j'en vois 1, 2, 3, il y en a un qui vient de rentrer, donc je pense que la plupart, comme il fait froid, la plupart doivent être à l'intérieur de leur enclos. Et là quand on compte le nombre d'individus, je vais vous manquer, regardez. Voilà le nombre d'individus, vous en comptez combien? Et bien, il y en a une trentaine. Allez, je pense que je les reverrai. Hop, regardez. Ils rentrent dans l'enclos. Donc on va aller voir ça. Dans leur nuitée. Alors vous verrez qu'une partie. Tu manges, hein. Ouais, parce que il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Alors avec le contre-jour, c'est pas facile. Il y en a qui sont là-bas, comme vous voyez. Même qui sont en bas, j'en sais rien du tout. Non. Donc le parc était ouvert. Alors je sais plus, je sais pas si c'était les deux, mais surtout le parc des Félins était ouvert les deux premiers week-ends de décembre et les deux derniers week-ends de janvier. Mais vu la fréquentation qu'ils avaient, et ben maintenant ça va être fermé tout le mois de décembre et tout le mois de janvier. Et comme là on arrive bientôt. À la fin de l'automne, on est à mi-automne, hein. On est au mois de novembre. Et donc voilà, il fait vraiment froid là, je peux vous dire. Ça change de ce qu'on a eu jusqu'à la Toussaint, où il faisait vachement beau, puis là, voilà, le mois de novembre, il y a eu un changement. Bon, les capucins, il n'y en a pas beaucoup, hein, les capucins. Et oui, c'était commun, il n'y avait pas beaucoup, je sais pas où sont les autres. Et maintenant, on rentre dans le Saint-Marie. Donc, petite consigne, avant de rentrer. Et voilà. Je suis dans le côté Saint-Marie, du Pérou. Et elle est tout petit, hein. Il y a encore une naissance cette année, je pense. Et j'ai profité d'être après les groupes scolaires pour bien admirer ces petits singes. Vous voyez la différence de couleur entre les petits et les adultes. Il faut faire attention parce que ça arrive de partout.
hein, les samaris, il faut faire vachement attention parce qu'ils peuvent vous prendre tout dans les poussettes. Là, j'étais avec une famille, ah, ils étaient prêts à envahir. Hein. Ah, je vous raconte pas. Hein. Oui, leur enclos est vachement bien. Hein. Et ben, je suis resté longtemps dans l'enclos des samaris parce que je les adore, ces petits. Et là-bas, si on le voit, je sais pas si vous le verrez, ouais, il y a le capucin. Hop, dans l'autre, voilà, hop, on voit le capucin dans l'autre enclos. Tiens. Regardez les samaris comment ils. D'un coup, je vous dis, il y a un groupe tout à l'heure qui est passé. Oh là là, c'était le bordel. Et là, il y a un autre groupe qui arrive. Et puis après, ben, je vais continuer pour terminer ma visite de la terre des singes. Les quatre capucins se sont donné le mot. Ils sont en train, tous en train d'aller à l'extrémité parce qu'il y a un groupe. Arrive, donc là on voit, hop, et les samaris toujours là, toujours aussi impressionnant. Samaris, voilà, comme il fait froid, bah, les gibbons, les attelles, les autres, les sakis par exemple, ou les chiens hurleurs, bah, ils sont à l'intérieur. Donc là, vous voyez, c'est un gibbon abonné, et voilà les macaques Wanderu. On peut voir au début ou à la fin. Donc voilà, je suis retourné chez les magots. Et là-bas au fond, je sais pas si vous verrez, il y a un faisan. Regardez, hop, il est là. Et voilà, hop, il court, 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 court. Ouais, les agents du parc sont en train d'appeler les magots pour la faire à manger. Déjà, je pense que c'est une femelle que j'ai en face de moi. C'est ça, c'est une femelle. Voilà, avant de terminer ma visite de terre des singes, je vais observer le tamarin de Goldie, le tamarin lion doré et le tamarin empereur. Et un tamarin empereur juste en haut là. Là il y avait les tamarins, hop, regardez. Comme ça c'était le tamarin de Goldie. Et là-bas. Non, c'est aussi un empereur celui-là. Bon là on a un poule d'eau. Hein. Oh, il y a Goldie et empereur. Regardez. Et on va essayer de voir si on trouve les lions dorés. Et là, on a des figuiers avec des figues. Voilà, les tamarins lions dorés sont quasiment pas tout le temps visibles. Hein. Ils restent très proches de l'enclos, plutôt de leur nuit de nuit. Hop, regardez, hop, on les voit. Hein. Ah, si, il y en a un, regardez. Il y en a un qui bah, il est tout juste sorti là. Vous voyez. Donc c'est sur le tamarin lion doré et plutôt le autre, le tamarin empereur. Que je vous laisse pour aujourd'hui sur cette visite des parcs de Lumini. D'abord le parc des félins et maintenant la terre des singes. La volière malheureusement est fermée pour cause de grippe aviaire. Hein. Ils ont eu une obligation depuis, je crois, c'est aujourd'hui, puisque l'information est tombée hier, de tout fermer. À cause de l'épidémie de grippe aviaire. Donc, toutes les volières sont fermées, qu'elles soient publiques ou privées. Et moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis ciao et à la prochaine. Maintenant, sur l'intérieur, les tamarins.